le dogue allemand ou grand danois, chien imposant et plein de douceur. Le dogue allemand, Deutsch Dog, est une race de chiens à poils courts. Il est aussi appelé grand danois. C'est l'une des races de chiens les plus grandes. Les différents noms de ce chien, dogue allemand ou grand danois, illustrent la controverse sur son origine. Il ne provient d'ailleurs pas du Danemark. À l'origine arrivé en Europe au IXe siècle avec les Alains, peuple de cavaliers nomades d'origine iranienne, les Alontes, d'où provient le nom Alano, en Italie. Ce grand chien, aussi appelé grand danois, imposant par son allure, est en fait un chien plein de douceur. Il n'y a qu'à regarder l'expression de ses yeux pour s'en convaincre. Outre ses qualités de chien de garde, le dogue allemand est le parfait animal de compagnie, docile et affectueux. Bref, il fait partie des molosses les plus agréables à vivre. Taille, 72 cm à 80 cm, poids, 45 kg à 70 kg, poils, ras, couleur, fauve, noir, blanc avec des taches noires, marron clair avec des rayures noires ou marron foncé, bleu, espérance de vie, 9 ans, durée de gestation, 57 à 70 jours. Le dogue allemand, aussi surnommé « Apollon des chiens » ou « Grand Danois », est reconnaissable d'abord par sa taille, qui le fait appartenir à l'une des plus grandes races de chiens. Son allure est massive et puissante tout en étant élégante. Le dogue allemand est bien campé sur ses pattes. Il possède une grosse tête à la truffe large et aux babines pendantes, tout comme ses grandes oreilles. Son poil est court, lisse et luisant. Comment prendre soin de son dogue allemand, ses besoins, malgré son allure imposante, le dogue allemand peut tout à fait vivre en intérieur. C'est même conseillé, en particulier la nuit et l'hiver car il craint le froid, pour lui assurer une espérance de vie maximum. Le dogue allemand n'a pas besoin de beaucoup d'exercice physique à part une grande promenade par jour s'il vit en appartement. C'est par contre un chien qui adore que l'on prenne soin de lui. Par un brossage régulier de ses poils ou par la vérification de la propreté de ses oreilles par exemple. L'alimentation du dogue allemand. Le dogue allemand est un chien qui a d'importants besoins alimentaires qui représentent un budget conséquent à la fin du mois. Pendant sa croissance rapide, la nourriture du dogue allemand doit constamment être adaptée à sa morphologie et à ses besoins grandissants. S'il est nourri avec des aliments industriels, il est important de s'assurer de leur haute qualité. Dans le cas d'une alimentation ménagère, le dogue allemand ne doit pas manger la même nourriture que son maître mais du poulet cru broyé, des légumes ou encore des féculents. La santé du dogue allemand. Le dogue allemand a la particularité d'être fragile pendant sa jeunesse. Au cours des trois premières années de sa vie, il faut bien surveiller son alimentation et s'assurer qu'il ne manque pas de vitamines. Adulte, le dogue allemand est un chien solide et robuste mais qui n'a pas une longévité supérieure à 9 ans. Il peut, comme tous les chiens de grande taille, souffrir de dysplasie de la hanche. Le dogue allemand est aussi très sensible à la dilatation-torsion d'estomac. Pour éviter ce problème de santé, certaines précautions doivent être prises, ne pas faire d'efforts brusques au dogue allemand et éviter de le stresser après ses repas. Le dogue allemand a besoin d'une alimentation spéciale de bonne qualité. En raison de sa taille, ses besoins en énergie sont élevés en conséquence. Néanmoins, tous les facteurs pertinents tels que le poids, l'âge et les activités doivent être pris en compte lors du rationnement.
Une quantité suffisante de taurine dans l'aliment réduit également le risque d'une maladie de cardiomyopathie dilatée. En raison de la tendance à la dysplasie de la hanche, un complément alimentaire avec Belforge Lanknochen, articulation et os, est également recommandé. Le dog allemand peut être très doux et docile s'il reçoit une bonne éducation. L'une des premières choses à lui apprendre est de ne pas tirer sur sa laisse. En effet, il peut atteindre les 70 kg à l'âge adulte. Il a besoin de comprendre dès son plus jeune âge qu'il y a des règles à respecter. Mais comme c'est un chien réceptif, il n'a aucun problème à comprendre qu'il doit obéissance à ses maîtres. On a tendance à croire que les énormes chiens ont besoin de beaucoup d'espace pour se sentir à l'aise. Mais en fait, le dog allemand se plaît énormément à l'intérieur. Et en plus, il n'a absolument rien d'envahissant. Durant les saisons froides, il est préférable de le garder au chaud dans la maison ou l'appartement, surtout la nuit. Le dog allemand demande beaucoup d'attention, particulièrement au cours de ses 3 premières années. En effet, il a besoin d'exercice, mais il faut les limiter, car l'ossature est fragile à cette période. Son alimentation doit faire l'objet d'un ajustement régulier, car il grandit très rapidement. La dysplasie de la hanche est le risque le plus fréquent, surtout si les parents sont déjà atteints. La durée de vie du dog allemand va rarement au-delà de 9 ans. Le dog allemand adore qu'on prenne soin de lui. Certaines marques d'attention dont il raffole peuvent être assimilées à son entretien. Le dog allemand a besoin qu'on lui brosse les poils très régulièrement. Il faut également vérifier que ses oreilles soient propres et que la peau ne soit ni blessée ni irritée. De temps en temps, il faut lui couper les ongles et lui nettoyer les yeux. Un bain mensuel avec un shampoing adéquat le ravira s'il y est habitué depuis qu'il est tout petit. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.